Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity training awareness. Today, big data and analytics. Big data is another aspect of digital. In our previous session, we talked about digital transformation. We show how our world today is shaped by digital. Digital is almost everywhere. We have artificial intelligence, big data. You have cloud, you have cyber security, you have 3D printing, all this kind of stuff. Are those things shaping our world today? It's digital. Today we talk about big data. Big data is this aspect of bringing a lot of data, manipulating a lot of data through companies, through some applications. And those scenarios I will take today, you are so familiar with that. And in this schema, you will see those applications, Facebook, Twitter, you have LinkedIn, and WhatsApp, all these. In quick time, you can spray your data out there, and they use those data to do analytic, to study behaviors. And that is why when you spray those data through WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Twitter, and all what you think, be always concerned about the risk that can happen to you. We have people losing their information, their personal information, just like that, spraying those information on Facebook, on LinkedIn, everywhere. We have to stop that. We have to be more serious about our personal information, because when you spray those information, when you are not, you expect the less, that is when hackers use those information. And you cannot do otherwise. You have to deal with bankers, insurance, medical records, all these aspects. Those, you have bunch of places where you go to request services. They use those data. In the hospital, before processing to a treatment, they want you to fill forms, those data, and they ask you to sign for privacy, all this kind of stuff. You have to take it really serious. Big data is a big concern. And big data, today we want to mention the aspect of metadata, teradata, and pico, all these. Data are, when they, those data are enormous, everything could happen. People steal data and sell those data. If they sell your data somewhere and hacker use those data, you're going to be in jeopardy. So that is why we talk about this aspect. And again, we mention the risk. Every time, think about the risk and try to protect yourself. Read, do some research, do some training to understand how it works, how you can protect yourself and stop spreading your data through internet. On the schema we show, we prepare for this session, you will see how in second you can spray your data, can go all over the places. And it's important to keep those data secret. Stay cyber connect.
Pour la synthèse en français, aujourd'hui, on a parlé des données de masse, des données en masse, comme il faut le dire, ça s'appelle Big Data. Donc, ces données, en fait, c'est une partie du digital. On a mentionné dans les sessions précédentes du digital. Le digital, c'est cet aspect où toutes ces données vont très vite et tout autour de nous, les objets et tous les aspects vont très vite. Alors, il est important pour vous de savoir que lorsque vous utilisez ces informations-là, vos informations que vous placez sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur WhatsApp et tout ce que vous pouvez penser, il est important de les sécuriser. Ne balancez pas vos informations personnelles n'importe comment. Et même quand vous allez dans un store pour faire du shopping, on vous propose des cartes et tout ça. Il faut d'abord voir si l'environnement est sécurisé. Donc, avant de procéder à tout cela. Donc, ici, lorsque vous allez à l'hôpital, il y a les records médicaux. Il faut faire très attention à ça. Et lorsqu'on a des données vraiment en masse, ça prend des volumes. Et si on les vole, ces données, vous serez en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle nous choisissons de parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est le domaine de Big Data. Et lorsque vous utilisez, par exemple, Facebook, on utilise des données pour faire des analyses et étudier les comportements et savoir comment procéder et vous proposer tout ce qu'on vous propose à travers des emails et tout ce que vous pouvez penser. Donc, c'est ce qu'on appelle Big Data and Analytics. Donc, on fait l'analyse de ces données en masse pour étudier les comportements. Et on entend parler parfois de ce qu'on appelle business intelligence. Donc, on utilise ces données pour pouvoir procéder à cette étude du business intelligence, le business intelligent, comme il faut le dire. Donc, c'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Et je profite toujours pour dire merci à tous ceux qui se connectent et qui ne manque pas d'envoyer des messages d'encouragement et puis qui posent des questions aussi. Et j'espère qu'ils sont satisfaits parce que je prends toujours la peine de répondre parce que nous sommes dans un network et nous voulons que ce network puisse grandir et toujours avancer avec tous ceux qui sont très passionnés par le monde digital. Et le monde digital est en train d'avancer et avancera toujours. Et si vous ne vous connectez pas, le digital va vous jouer des tours. Alors, je vous remercie et soyez connectés.